Même si Ken Pianazo le Bangote, le 8 mars, la plus belle voix à moi, c'est Mbokoyo, 15 millions de vies à Rumba. T'es à l'équipe ou tout est T'es à l'équipe ou tout est À l'équipe ou tout est Yé, yata la gaba. Bah, il est mis à la dé, banane, donc, hein. Vous êtes quand même fier, non? Ah, fier, t'as mort, non? C'est pourquoi c'est à honorer cette journée. Vous êtes fier, Didison, non? Ouais, c'est ça. La côté à mort de la bande, non? Il y a un mot dans l'épisode, non? Non, papa. Il y a un mot dans l'épisode, non? Le 8 mars, rendez-vous chez Resto. Et nous avons la politique. Ambassadeur de la polémique. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on est là. Donc, on est là. Au lobby. Ambassadeur de la polémique. Le seul et l'unique à avoir passeport rouge. Le seul et l'unique. Il y a génération à il y a le seul et l'unique. La génération. Mais tout le monde peut faillir pour avoir un président de la République. J'ai été à Jolie un président. Il y a déjeuner un président. Babi, Adiembele, Kodiembele. Té, Adiembele, té. Fali, Kodiembele, té. Oh. Omoni papa, Abimisa Fali. Bah, attends, même il dit, Fali, ça n'a rien à voir. Kofi, ça n'a rien à pembe. Donc, il ne faut pas qu'on l'ouvre à cause par la Kofi, n'a moins à naï. Fali, Azaraka, Aza moins à ya, Kofi, on l'omide. Il ne faut pas qu'on tire à bas conflit. Donc, Karo, Kofi, ça n'a rien à voir. Fali, ça n'a rien à voir. Oui, oui. Bah, ça, papa, n'a moins à toi, tire à confusion, té. Faut que tu aies histoire. Histoire de Kofi Anzakate. Donc il fallait à Zalara Mwana, il y a Kofi. Mwana la Nengi. Mwana na e. Bah, toi, où est-ce que ça? Toi, où est-ce que ça? A Jean Gogli, Bazon Zela Mwana ba Mepe Games. Ya solo? Oui, il y a un d'abouya au lac. Au lac Sande. A Zala Kenan. Bino pa ni bocha polémique ko. Zela, zela, zela. Anan ba on lila. Ah, vata wenget. Boyo ya bien. Vata wenget. La japonaise yé yo. De la femme Yango chez Djonga Denga dans Taba Babongi Selbino 3 jours de fête de la femme avec Bartiste et Adef Fouaté. Na programme Lokola Mokolo ya vendredi 11 mars 2022 Bokozo artiste et musicien Suzuki Luzubu 4x4 et Longona groupe Naye Bako Sepel Sabino Ozako Lia Ozako Mela Pe Ozako Bina. Le vendredi 11 mars 2022 chez Djonga D, venez savourer la bonne musique. Et puis bonne fête à toutes les femmes, parce que les femmes, on va les honorer le vendredi. Et mon collègue samedi, 12 mars 2022, Bokozwa CNN Alligator, et l'ongona groupe Naye, Oyo Bako Sepel Sabino, Nabanzambo ya Kitoko. Journée internationale des droits de la femme. Alors, ba maman, bino ba tubozali à l'honneur. Botina ba texto na bino, banzembo bino bolingi, touye mbela bino banzembo, selon choix na bino. Dimanche 13 mars 2022,
Michel Vande, Sombele Souka Bisanga, Bokozwa, Emilia Elias de Mingongo, La Voix qui cloche, Elongona, Wenge Poussala Tofanda, Bako Bini Sabino Barumba ya Solo Solo, Peba Danse ya Elengi, Ozako Lia, Ozako Mila. Che Djonga Denga Nantaba, adresse Zaka Kase Moko, numéro 12, rue Puy Dixme, 94 310. Orly, Oza Mobimba, Nakati à Paris, paix au vivre événement. Poche Djonga Denga Nantaba, Yangonde Moboko ya ambiance, Nakati à Paris. Non, ba supporter bagangi. Balobi tout bon sonate les salles si fêtes. O tie colis lelo partout dans le monde. Lobby n'a pas su. O tie lelo na Paris. Lobby n'a kiné pas su. O tie na Paris. Mouteta zina su. O tie vle babi Emma Meya. Hein? Les salles si fêtes. Ya yemei Emma Meya. O tie colis lelo. Lobby dosu. O yeba Valeria Emma Meya. Si ya. O ya l'inara vu de loin. Tinde langana. Les salles si fêtes. O tie lelo. Lobby nazui. Ayola. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya Emma Meya tabiloko lelo lobby ozui. Ah Emma Meya, quel miracle, quel miskit tala conscient photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markade na Statorus Emma Meya fondation de celle-ci fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa ngo nanga tutieri ngo nanga pe tukukutira yango ndako zana conscience ya fret fondation Emma Meya cha biloko na yokona ukuzwa ngo na kisasa ukuzwa ngo partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hie na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kona ekuzwa makaka Emma Meya fondation de Salis. Tant que ça une fondation pour bangoba banana biso na fondation depuis kala. Ti le loto comme ba immeuble azaka kawana na biso. To ebino e mameya fondation fret. O fret ta kabilo ko no wapi e ko ti sa kabilo ko wapi sa ba deja toi sa pou koma o lembi me a wande makambu. Ah ba ta ba ende to zo linga po makambu e kende liboso o che bilo ko ne lelo o zino bi. O tche lelo o ju lobi nga la commandante net na nga lobi lelo na zwi yango na lati ah oui to sa musika te na France na France na ri markade bana chateau ku jwa ima kam na zo lobi la bana chateau ku jwa ima kam na zo lobi la biso e ratakate frete biloko le mitu kala onde ngo zingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko ebele ah e mame ya fond da sali sali si fret yonde makambi épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko uti mboka kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemande, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 37 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody. C'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa que fait tu premier round a comme qu'on ronfler le col angulo à Mélisse savon. Solution et mon ami et pas y'a toute l'Afrique chez Glody.
Ah, papa, RPNC. Pardon. Oh, t'as rien à rester à moutou, ça, Keba, Keba. Les gens entre pas non non. Bon les amis, soyez comme expéditif hein. Posez sur l'image. Oui, c'est le bureau de l'État et nous sommes très honorés par votre présence chez vous. C'est la sensation. Hein. Dans la ville, apparemment, les gens ont su que vous deviez venir nous rencontrer. Ça fait la chaleur, ça fait vraiment la fierté quand l'ambassadeur vient rencontrer le ministre des tutelles. Ça montre que le travail a commencé. Et donc, sentez-vous à la maison. Comme vous avez vu, madame, vous avez toute ma considération, tout mon respect. Et je ne sais pas faire quoi que ce soit en tant que porte-étendard de la culture de notre pays à l'étranger sans venir vous faire part de la chose. Je suis très touchée hein, parce que nous avons tous suivi le fort élève du chef de l'État qui, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a les soucis de ramener le culturel et la culture au centre de toute chose. Bon, la presse. Ça nous donne beaucoup d'élan et ça mène à réfléchir l'avenir de notre pays, beaucoup plus de la culture, parce que au moins dans la culture, c'est l'inspiration, c'est la liberté de l'émotion et ça permet à donner naissance à la vie et d'orienter désormais l'éthique et la manière dont les gens doivent se comporter. Encore que c'est question de notre identité, on a besoin d'avoir des personnes capables de véhiculer ceci. Et je sais que ça a été un choix judicieux que le chef de l'État vous donne cela. Ce n'est pas un privilège et une faveur. Et là-bas, je voulais insister, c'était une responsabilité. Et donc, on vous donne une responsabilité culturelle. Donc, c'est-à-dire que vous devez être à l'œuvre. Vous travaillez tout le temps pour vous en tant qu'artiste Kofi Olomide. Que les grands, les écrivains et beaucoup d'autres artistes ont appelé l'homme des idées. Je ne sais pas si vous connaissez cela, vous avez été appelé par beaucoup de gens l'homme des idées et Kofi Olomide, l'homme des idées. Et donc nous allons devoir rester pour parler un peu de notre agenda et nous remercions peut-être les gens de la presse, nous leur demandons de nous laisser parce que nous voulons le parler vraiment en termes politiques et nous avons besoin de nous sentir vraiment en sécurité et en intimité, parce que c'est très important qu'on se fasse comme ça. Merci pour votre participation. Laissez-nous le temps de travail. Ok. Merci beaucoup.
Moi, je suis très honoré de recevoir l'ambassadeur de la culture congolaise désormais dans mon pays. Il est un opérateur culturel et tout devait partir d'ici. Et voilà que c'est le départ. Il a été honoré par le chef de l'État. Et le chef de l'État nous a chargé de le recevoir et de lui parler un peu de notre plan stratégique et de définir avec lui les actions pour que son titre aujourd'hui puisse rayonner et qu'il puisse faire rayonner la culture congolaise. Alors c'est vraiment un honneur pour moi de les recevoir. Et nous avons discuté longuement du fond de charge qu'il porte, parce qu'il est ambassadeur de la culture congolaise, pas seulement ambassadeur musicien, mais ambassadeur de la culture congolaise. Il représente toute la culture, c'est une responsabilité qu'il a, et il a toutes les capacités et tous les atouts pour réaliser cette tâche avec bravoure. Si aujourd'hui vous êtes ministre de la culture et que vous êtes en face des artistes et musiciens qui sont primés ou gratifiés par les chefs de l'État, qu'est-ce que ça vous fait exactement, vous qui êtes en tête de ce ministère? Je suis ému d'abord, et puis je me dis que j'ai des acteurs qui doivent m'aider à rendre effectif le programme du gouvernement et la vision du chef de l'État. Et quand les gens sont primés, ils sont nommés par les chefs de l'État, ils sont chargés, ils ont la responsabilité. Donc nous devons partir du programme du gouvernement et des axes qui ont été établis et qui ont été tracés, et voir quel est le rôle de tout un chacun et comment chacun doit contribuer à ce que nous puissions contribuer tous à l'érection de l'église. Excellence Koffi Olomide, vous avez su par Madame la Ministre d'abord un mot par rapport à cette réception. Oui, j'ai été honoré d'être reçu par la patronne de la culture de notre pays, qui est une dame plus que charmante, très gentille, très sympa et très, très au courant de ce qui se passe. Et j'ai été rassuré de rencontrer la ministre de tutelle de cette tremplin. Elle m'a fait voir ma responsabilité, la charge qui est la mienne aujourd'hui. Et je lui ai dit comme ça d'emblée quelques idées, quelques pistes qui sont les miennes. Par exemple, moi j'ai pensé à ce qu'on s'intéresse un peu plus à la jeunesse et aux artistes. Par exemple, il n'y a pas une espèce de cliché de la culture. J'aimerais qu'au Congo, il y ait un cliché, à défaut de dire une maison de la culture, un centre culturel immense. Moi, je préfère le mot QG de la culture, où les jeunes gens pouvaient venir apprendre, différemment de l'Académie des Beaux-Arts, venir apprendre la peinture, la sculpture, le cinéma, la musique, la danse. J'oublie d'autres secteurs, comme par exemple. Et pour ce faire, j'ai aussi pensé à ce que ce serait bien qu'ensemble, avec un représentant de chaque domaine de la culture de notre pays, par exemple la danse, la sculpture, le théâtre, le cinéma, la mode, elle a parlé de notre égérie Diviston, qui est déjà d'office, d'après elle, comme espèce d'ambassadeur de la mode pour le pays. Donc j'aurais aimé qu'on se rencontre quand même pour que chaque domaine de la culture pose un peu ses problèmes, nous donne un peu ses idées pour qu'on puisse fonctionner. Je vous avais dit que moi je suis un bébé dans la diplomatie, dans ce qui m'arrive, et je m'approcherai des experts. La première experte en la matière, c'est évidemment Madame la Ministre. Je vais rencontrer des gens comme Didier Moumé, etc. J'ai oublié les écrivains, il y a aussi l'écriture. Moi-même, j'écris un peu. Et d'ailleurs, je suis, depuis cette nomination, en train de... J'ai déjà fait quelques phrases pour mon premier bouquin, que je vais expliquer un peu ce que je compte faire. Ça s'appelle « Ma vie est une belle histoire ». Mais vous allez la voir dans peu de temps. Lourde charge à la fois artiste et musicien, à la fois ambassadeur. Comment comptez-vous vous organiser dans ça, et est-ce qu'on vous attend également dans les activités courantes? Voilà, aujourd'hui je suis ici. J'aurais pu être à Saint-James, à Saint-Saint, à Répétit, mais je suis ici, c'est notre ministre de tutelle. Donc je m'organise. Je vous avais dit que je suis un bébé, je vais commencer par écouter, apprendre les rudiments de la diplomatie, et puis je vais fonctionner. J'ai mes petites idées quand même. Mais ma tâche première, c'est toujours porter haut l'étendard de la culture. Dans les moments, mon élément, mon rayon, c'est la musique. Maintenant, je ne vais pas ne fonctionner que pour la musique, pour les musiciens. Je sais que la culture comprend tous les autres départements, toutes catégories dont j'ai parlé tout à l'heure.
Merci. Merci à vous. Je voulais lui remettre les axes stratégiques du gouvernement et les attributions que le chef de l'État a définies pour nous. Nous avons discuté suffisamment et longuement sur ça. Je sais qu'il va aller les insérer dans le bouquin qu'il est en train de préparer déjà. Et d'emblée, je lui souhaite vraiment un bon vent et beaucoup de détermination et d'engagement pour cette responsabilité qu'il a désormais à définir et à engager. Madame, merci, je suis honoré. Voilà, donc ça c'est les axes du gouvernement. Ouais. Je vais prendre conscience de ça, je vais découvrir. C'est ça, je ne sais pas s'il faut peut-être. C'est le ministère qui définit, évidemment, partant du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État pour venir sur nos axes, nos attributions, les attributions que le chef de l'État. Quittez le micro, et tout ce que nous allons faire ne doit que rester dans ces axes-là parce que nous devons, chacun doit garder sa bande, nous devons rester sur notre bande. Voilà. Pour battre le record, il faut garder sa bande. Voilà. Madame. Pour nos amis des Lingala. Les Lingala, je ne parle pas, je veux seulement dire que c'est Belle Mingue, président a nommé déjà ambassadeur culturel. Donc, Boyebie Mingi, ambassadeur de la musique congolaise, mais aujourd'hui, Rofi a commis ambassadeur de la culture congolaise. Donc, à Kobanda Kolobela, Makambo à musique, mais Makambo Nyon soit culture. Moi, t'as dit culture, ceux qui étaient à musée, ceux qui étaient à écrivain, ceux qui étaient à Makambo à danse, Makambo à. Même des affaires traditionnelles, nous avons tout profit à Bolobelango, pour développer un projet, un programme avec le ministère pour que les choses aillent de l'avant. Développer, détecter le talent, promouvoir la culture, voilà ce que nous attendons. Voilà d'être aux autres là, dans la communauté, pour faire pour ça. Voilà, c'est la petite chose que je connais à Lingala. Voilà. La présence là, est-ce que vous avez un million d'euros pour présenter Pemboka? Dans le séminaire, on se fait vraiment en tant qu'ambassadeur culturel. Bon, là, on a décidé de nous sauter. On a fait la coordination de la culture. Donc, toujours, on a le sol, il n'y a pas de problème. Nous devons nous dire que nous avons un peu de culture. Nous avons un peu de culture. Culture, les amis. La culture, il faut d'abord penser à la jeunesse, aux enfants. Il faut que les enfants soient pris en charge beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. J'ai parlé tout à l'heure de QG de la culture, c'est-à-dire, comédie, etc. Donc la piste j'aime bien me pêler. Mais là, il y a un poisson, c'est la jeunesse de mon pays qui doit être prise en charge mieux que ce n'est le cas aujourd'hui. Et on a le bien devant le ministre, c'est-à-dire devant le gouvernement, c'est-à-dire devant le président. Nous avons pris ça qui a une responsabilité. Je pense que quelque chose va se passer. On ne va pas tout finir ici, tout ici. Mais moi, parce que vous savez que madame, là, vous avez un grand crâne. Je suis un peu plus de temps.
C'est ça, c'est pourquoi nous sommes venus remettre voilà, à Poussini, nous mars, serons là. Même si Ken Pianazo le Bangote, le 8 mars, la plus belle voix à moi, c'est à Pokoyo, 15 millions de vies à Rumba. C'est à l'équipe où tout est. À l'équipe où tout est. Il y a tout à l'arabe. Il y a mis à la dé, banane, donc. Vous êtes quand même fiers, non? Ah, fier de Mboga, non? C'est pourquoi c'est honoré cette journée. Vous avez fier à Didiston, non? Oui, c'est côté à mort de Nalibanda, non? Il y a Mboga, non? Non, papa, vous avez dit Didiston, Asani, Azalai, Fégera. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Je suis là pour vous. Ma chiffre est ami, Banzembo ya baboué. On est à Rumba, et puis Rumba, on est à Rumba, on va reprendre Nzembo, à Bouissango. Donc c'est pour ça que nous avons exploit. Mais c'est la politique. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, on est là. Donc, on est là. Ambassadeur ya bamisi. Le seul et l'unique qui a son passeport rouge na Congo. Le seul et l'unique. Configure. Il y a génération na il est le seul et l'unique. Ah. La génération. Mais tout le monde peut falir pour papa na ba président de la République. Il a été à son na ba président, ba déjeuner na ba président. Babi a Diembela ko Diembela. Té a Diembela té. Falir ko Diembela té. Oh. Omoni papa wa bimisa. Oh, bien ça fallait. Bah, même il dit, Kofi a noir, Kofi a pembe. Donc il faut pas qu'on l'ouvre à cause par à Kofi na moi na naï. Fallait Azaraka, Azamoana ya Kofi olomide. Faut pas qu'on tire à conflit. Donc car Kofi a zara, on fallait pas n'ango. Pas n'ango ya noir. Oui oui. Bah papa na moi na toi tire à confusion te. Faut te barango que histoire est Kofi Azaraka te. Donc il fallait Azaraka moi na ya Kofi. Voilà la négine. À suivre, mesdames et messieurs, c'était spécial Kofi Olomide. Ah, ça va. En direct, donc, des ministères de la culture. Donc, notre ministre de la culture, Ayambaki Kofi Olomide. Merci à Paris, merci à bienvenue Vangasele. Respect beaucoup à Yuyu Kabouikou depuis Paris. La joie à Mado Pichuna, femme très, très, très forte. Et pourquoi pas Déborah Bofando ya Matou Idol, Tomoni Kofi Olomide, et Topesi Mbote na boutique Frata Mode avec les boss Dadi Lukombo, la joie Amado Pichuna, Léa Dimbi Mama Social Coach, Bambo Tebele, ba merci, na ba fan tout ba rota la biso depuis Paris. Félicitations à l'artiste qui est Kofi Olomide, et pourquoi pas, félicitations à nos stars congolais, Nanyoso et Salami Leloyo, ministre Ayambi. Kofi Olomide, et merci à bienvenue Vangasele, joli Ilunga,
Fondation Etique, merci à vous. La joie à Mado Pichuna, na Bosanité, Sam Kunku le nécessaire. Ya Aimé Kunku Arota Labisso, Deborah Bofando Yamatu Idol, Kingston Sono, le boss de Pilion. Et na Bosanité, ma master tout batala ramatier banché. On est là pour bien travailler. Toujours à l'Engia Congo Télévision et pourquoi pas la RTVS 1. Donc, à tous en plein boulevard. Kofi Olomida, Utsuko Kene, Bama Sebele, Bazo Tamboula. À suivre. Un pizzerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa Zana posa kolia bio, papa Zana posa kolia biloko outi mboka. Kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Claudie au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemande, Banaya Belgique, Banaya Suisse. Livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 37 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody. C'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Ponabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça, papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait ses premiers rounds a commis qu'on ronfle le col angoulou à Mélisse savon. Solution et mon ami et paille à toute l'Afrique chez Glody.